Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on fait une émission un peu particulière où j'ai un invité de marque parce que c'est pour moi un des plus grands, si ce n'est le plus grand expert des montres vintage. C'est Romain Réa, président de la société Antiquorum. On dit CEO en américain, en anglais et en international. Et en plus, il est expert à la cour d'appel de Paris. Il est lui-même propriétaire de boutiques qui vendent des montres vintage. Donc c'est vraiment l'interlocuteur idéal pour parler des montres vintage. Donc Romain, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi, sur ton métier, sur cette passion et comment elle t'est venue? Bonjour Franck, je suis ravi d'être avec vous, c'est une bonne première. Écoute, la passion m'est venue vers l'âge de 17-18 ans et je suis tombé amoureux de l'horlogerie. Donc je suis tombé amoureux des montres et j'en ai fait mon métier au début de ma vingtaine d'années. Donc tu vois, ça a été rapide, le choix a été vite fait. J'étais voué à l'aéronautique, donc rien à voir. Hein. Mais voilà, peut-être les aiguilles du tableau de bord m'avaient indiqué qu'il valait mieux avoir mon tableau de bord directement sur le poignet gauche. Et du coup voilà, c'en est resté à ce point-là et j'adore ça toujours et je suis toujours autant passionné. Et depuis effectivement, j'ai eu mes boutiques spécialisée en horlogerie et puis aujourd'hui je gère la première maison de vente aux enchères spécialisée dans l'horlogerie de montres de collection et pendules de collection. Alors déjà on va préciser quelle est la différence entre une montre vintage et une montre d'occasion. C'est très simple, on peut dire que la montre vintage, elle a une cote, donc c'est ce qui fait sa spécificité. En ce qui concerne les ventes aux enchères, on nous pose souvent la question de savoir quels sont les pièges à éviter, quelles sont les choses qu'il faut regarder et comment est-ce que l'on peut connaître véritablement une cote sans connaître vraiment grand-chose à l'horlogerie. Donc là, Romain va pouvoir nous dire comment est-ce qu'on peut repérer qu'une montre a une cote et surtout, qu'est-ce que l'on regarde pour lui donner son fameux pricing. Alors, première chose à regarder, c'est l'état de l'objet. Voir si l'état est bon d'un point de vue genre esthétique, simplement extérieur. Voir si le cadran semble joli, le boîtier est joli. L'aspect esthétique est très important parce qu'on se rend compte que définitivement sur une montre de collection, eh bien, si l'aspect esthétique extérieur ne va pas, c'est déjà que la montre a eu beaucoup de souffrance, a subi beaucoup de trop vécu. Quoi. Trop vécu, et donc il faut faire attention et du coup il faut rester vigilant. Un autre indicateur, c'est de regarder si par exemple le cadran est parfait et puis le reste de la montre est en mauvais état. Bon, c'est pas normal, c'est que peut-être le cadran a été restauré. Tout doit être assez homogène. Donc, si une montre a bien vécu, tout doit avoir bien vécu. Voilà. Et si c'est tout parfait, tout doit être parfait. Il ne peut pas y avoir de... S'il commence à y avoir des petites choses qui sont un petit peu différentes, c'est qu'il y a un problème et c'est qu'effectivement, il y a des pièces qui ont été changées. Ce qui n'est pas grave, mais ce qui, en revanche, va jouer sur la cotation de l'objet. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis après, il va falloir aller un peu plus en avant et puis commencer à regarder. Donc, trois choses différentes. Le cadran, la première chose. Deuxième chose, le boîtier. Et troisième chose, le mouvement, bien évidemment. Donc, le cadran, on doit regarder si toutes les pièces sont d'origine. Donc là, effectivement, il faut un œil expert. Donc, il ne faut pas hésiter de demander à des experts spécialisés dans les maisons de vente aux enchères, comme Antiquorum, bien évidemment. Donc, on va regarder si le cadran a bien ses plots lumineux, a bien ses compteurs, si c'est un chronographe, a bien ses aiguilles aussi qui matchent avec les couleurs des plots lumineux et des aiguilles. Une fois qu'on aura fait toute cette analyse-là, eh bien, on pourra décider si le cadran est bien d'origine ou pas. Bon, OK, ça, c'est très bien. Donc, tu es venu avec quelques montres vintage. Est-ce que tu peux nous illustrer par l'exemple le propos que tu viens de... Alors exactement. J'ai apporté trois chronographes, trois montres de plongée, donc pour qu'on puisse un petit peu voir les sujets dont on parle, au sujet de l'état de l'objet. Donc là, on est sur une montre qui est assez tôt, hein, elle est de la fin des années 40. C'est un des premiers boîtiers étanches. Et alors, on peut voir tout de suite sur cette montre qu'effectivement, la patine des aiguilles et la patine des chiffres est absolument homogène. Tu vois, il y a ce petit côté un petit peu écru, on va dire, et que l'on retrouve en règle générale sur des cadrans qui sont anciens. C'est normal, la montre a bientôt 80 ans. C'est les UV qui viennent à... Et oui. Donc si ce cadran-là était tout blanc, tout frais, il y aurait un problème. C'est pas possible qu'une montre qui a été portée au poignet n'ait pas subi l'espace du temps. Les outrages du temps, exactement. Ouais. C'est une montre Montbrillant. C'est dans l'esprit, bien évidemment, Breitling. Et c'est un chronographe qui a la particularité d'avoir été les premières idées de boîtier étanche. Parce que à ces époques-là, des années 30 et 40, on luttait pour avoir une étanchéité parfaite à la poussière et à l'humidité pour que les mouvements ne soient pas abîmés. Et ça a bien fonctionné parce que, vous voyez, le cadran, si le mouvement s'abîme, le cadran s'abîme, tout s'oxyde. Et là, donc, rien ne s'est abîmé, rien ne s'est oxydé. Donc, le boîtier étanche de l'époque a fonctionné. Voilà, ça, c'est le premier exemple d'une montre en bon état. On peut prendre un deuxième exemple avec une montre de plongée, avec un bracelet acier. On parlait en off des bracelets. Effectivement, le bracelet ne joue pas dans la cote. Par exemple, là, vous voyez, c'est un bracelet qui a été rapporté, mais qui va dans l'esprit de cette montre de plongée,
qui est une carabine. C'est des montres qui sont des montres de collection des années 70 qui ne cotent pas trop cher encore aujourd'hui, sur lesquelles on peut se faire plaisir. Pour combien ça coûte une montre comme ça, par là-dessus, exemple? Là-dessus, on est sur une valeur aux environs de 2 500 €. Alors, c'est des sous, certainement, mais pour une montre de collection, il faut savoir que si on entretient bien sa montre de collection, en règle générale, on ne va pas perdre d'argent, on va plutôt même avoir une tendance à en gagner dans les 5 à 10 années qui vont suivre. Alors, pareil, là, on a quelque chose qui est assez frappant, c'est la couleur des index et la couleur des aiguilles, qui sont pareil, pas blancs en hiver, mais qui ont ce côté un peu écru, un peu coquille d'œuf, et qui permettent de voir qu'effectivement, tout ça, c'est bien né ensemble et qu'il n'y a pas eu de changement. Oui, parce qu'il arrive parfois qu'on change un cadran et qu'en changeant un cadran et en mettant du neuf sur une montre ancienne, ça fait quelque chose qui est atypique et donc ça baisse la cote, en fait. Ah, complètement, oui. Ah ouais, ça diminue fortement la cote. Là, c'est des choses un peu différentes. Oui, c'est un peu différent. Là, on est entre le chronographe et la montre de plongée. C'était les premiers chronos étanches des années 70. Et alors c'est marrant parce que c'est une montre qui était militaire, qui avait une vocation militaire. C'est une marque qui s'appelle Unique, qui n'est pas une marque aujourd'hui très très connue, mais en revanche qui a un look incroyablement sexy aujourd'hui. Et pareil, on est sur des montants qui ressemblent un petit peu à la carabine, quelques milliers d'euros pour pouvoir se payer une montre de collection de ce genre-là. Avant de voir une autre montre vintage, parce que là, vous avez une montre exceptionnelle et extrêmement rare qu'on va vous présenter après. Avant d'aller dans une vente aux enchères, il y a toujours une présentation des montres avant. Ah oui, toujours. Alors ça, je pense que c'est important de dire aux gens qui nous regardent qu'il faut aller voir les montres, parler avec l'expert et voire même l'essayer quand c'est possible. Bien sûr. Alors c'est à ça que servent les previews, donc les expositions qui ont lieu avant les ventes aux enchères, où justement on peut donc essayer les montres, on peut demander à ce qu'on nous les présente, et on va se rendre compte aussi d'une chose importante, c'est que sur un catalogue, en général, toutes les montres sont présentées dans un catalogue papier, et sur le cas des photos qui sont sur le catalogue papier, on n'a pas le même rendu quand on a l'objet dans les mains, au poignet, devant nous. Il y a des couleurs qui changent aussi, suivant la lumière, la luminosité, extérieur, intérieur, donc c'est très important, avant d'acheter un objet, d'essayer du moins d'aller le récupérer, le voir. Ce qui est amusant de dire aussi, c'est que avec le Covid, ces présentations se sont faites de façon virtuelle, mais que ça n'a pas empêché les gens d'acheter, bien au contraire. Tu as fait de très belles ventes pendant le confinement. Alors pendant le confinement, on était la première maison de vente aux enchères à maintenir une vente, et cette première vente aux enchères a été un succès. Alors au départ, on a eu pas mal d'internautes et les réseaux sociaux qui nous ont un petit peu titillés en disant mais c'est risqué de faire ça pendant le confinement. Et puis donc j'ai contacté la plupart de mes vendeurs, j'ai contacté la plupart de mes acheteurs habituels sur la maison de vente aux enchères. J'ai fait un petit sondage et tout le monde a dit non, au contraire, il faut y aller. Et ça a été un énorme succès. On a eu plus d'un millier de gens connectés pour suivre la vente, la première vente aux enchères du mois de mars, qui était pendant le confinement. Et ce qui est amusant de préciser, ce que Romain ne dira pas parce qu'il est très modeste, c'est qu'il faisait des expertises virtuelles, sur photo ou sur film, avant même de recevoir les montres, et que les cotes qui étaient annoncées aux acheteurs, aux vendeurs, étaient des cotes qui, à 90%, étaient totalement réelles, vérifiées. Et donc totalement vérifiées. Absolument. Donc Romain, mais... quand vous faites des expertises à distance, c'est une pré-expertise. Parce qu'à un moment ou l'autre, il faut que la montre elle vienne dans tes mains pour que tu puisses l'ouvrir et la juger vraiment. Exactement. Donc dans les Virtual Evaluation Days que l'on organise, on a des rendez-vous. Les gens sont dans leur coffre-fort ou dans leur salle des coffres de banque ou chez eux. Ils nous présentent les pièces. Bien évidemment, on leur demande montrez-nous le dos, montrez-nous. Mais on ne peut pas leur demander d'être horloger tout d'un coup et d'ouvrir les boîtiers. Bien donc sûr. On fait une expertise qui est au jugé, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de voir tous ces objets. Donc on se rend compte tout de suite s'il y a un problème. On va voir s'il y a une aiguille qui n'est pas d'origine, on va déjà le voir. Ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on sera tombé d'accord entre le vendeur et puis nous, l'auctionnaire, la maison de vente aux enchères, eh bien, on va demander donc à la personne de nous envoyer la montre. En réalité, c'est nos services qui vont chercher la montre ou les montres, s'il y en a plusieurs. Lorsqu'elles vont arriver dans nos bureaux, on a nos horlogers qui vont démonter entièrement chacune des montres pour qu'on puisse affiner l'expertise. C'est-à-dire que si jamais il y a une ou deux pièces qui ne sont pas d'origine sur le mouvement, on va invertir à ce moment-là le vendeur et lui dire voilà, il y a ça qui est d'origine. Qui n'est pas forcément au courant parce qu'il a pu hériter de la pièce. Bien sûr, bien sûr. Donc bien évidemment, on met toujours ce petit astérix en disant quand on va recevoir l'objet, on va vous confirmer que tout est absolument d'origine et conforme. Comme je disais, 90%, 9 fois sur 10, il n'y a aucun problème. Dans les conseils des ventes aux enchères, déjà, il y a une chose qu'il faut se dire, il ne faut pas s'enflammer. Hein, c'est, ah non, ça c'est important. Ça, je crois que c'est le,
C'est la règle de base. Quand on est dans une salle de vente, bah, on va s'enflammer, mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des frais qu'il faut ajouter. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots là-dessus? Oui, bah, effectivement, il faut faire attention. Lorsqu'on a une estimation qui est donnée sur un objet de collection, genre 2000 à 4000, hein, parfois on fait des estimations qui sont comme ça du simple au double. On sait que la valeur de l'objet, c'est aux environs de 3000-3005. Bon, mais il ne faut pas oublier qu'au moment où le marteau, on a laissé tomber le marteau, il y a les frais acheteurs à rajouter qui sont en règle générale de 25%. Et donc, il faut bien les comptabiliser dans son analyse. La petite anecdote, la plus intéressante sur la vente aux enchères, c'est sur la vente du Daytona qui appartenait à Paul Newman, puisque la mise à prix a été mise à 1 million de dollars et qu'une seconde après, au téléphone, il y a quelqu'un qui a dit « 10 ». Et là, le commissaire-priseur a dit « oui, 1 million ». Et là, non, 10. Donc la deuxième enchaîne était 10 millions de dollars. Et la montre a fini à 17, ouais. À 17 millions. Bon, ça, c'est exceptionnel, mais oui, c'est amusant comme anecdote. C'est arrivé une fois, c'est une belle anecdote. C'est d'ailleurs une vidéo que vous pouvez voir sur Internet et on vous mettra le lien dans la description de cette émission. Est-ce que tu peux nous présenter la montre exceptionnelle que tu as apportée? Oui, bien sûr. Ce fameux, puisqu'on en parle, le fameux Rolex Daytona. Le fameux Rolex Daytona. Alors là, on est sur une montre qui date de 1969, qui n'a été produite quasiment que pendant une année. C'était une évolution du calibre qui était utilisé. Avant, il y avait un Valjoux 722. C'est un peu technique, mais c'est parce que c'est important aussi pour les amateurs. Et là, ils ont instauré le Valjoux 727, qui était plus performant. Alors là, la particularité, quoi? D'avoir des compteurs qui sont devenus marrons. Là, c'est le temps. Tout à l'heure, on parlait du temps qui a bien préservé cette montre et donné une belle patine. Là, c'est le temps qui a fait changer la couleur des compteurs qui étaient noirs au départ et qui sont devenus marrons. Et ils ont même la particularité, alors ça on le voit à la lumière du soleil de temps en temps, d'avoir les contours qui deviennent un peu noir-bleu. D'où l'idée de mettre ce bracelet bleu parce que effectivement on a des couleurs qui deviennent incroyables. Alors là, on est un peu plus proche de la peinture, de l'art contemporain, j'ai envie de dire, que de l'horlogerie. C'est quand les deux se mélangent, et effectivement, c'était sûr que c'était avec Rolex qu'il allait se passer ce genre de choses. Est-ce que c'est le fameux cadran panda dont on... Alors, le cadran panda, c'est un cadran Paul Newman, donc effectivement, qui a deux couleurs, qui est que blanc et noir. C'est pas le panda, mais c'est exactement les mêmes tons, argenté et noir. Simplement, là, le noir est devenu marron. Et quand on parle de montres vintage, là, tu es venu avec trois montres vintage de plongée. Ouais. Quand on l'achète aux enchères, est-ce qu'il y a des certificats qui passent en révision pour l'étanchéité, par exemple? Alors, la particularité des maisons de vente aux enchères, c'est qu'elles ne donnent pas de garantie de fonctionnement ou de... On achète la montre en l'état. L'étanchéité, on l'achète en l'état. Elle donne une garantie sur l'authenticité, mais pas sur le fonctionnement. Pour qu'on ait une garantie sur le fonctionnement et une garantie de 1 an ou 2 ans selon l'envie, eh bien, effectivement, il faut acheter ça dans une boutique. Donc, nous, par exemple, dans nos boutiques Romain Réa, effectivement, on contrôle tout avec nos horlogers experts que l'on a à l'étage. Tu connais. Et donc, elles sont garanties. Et donc, elles sont révisées et garanties. Et on donne... Est-ce à dire que si je suis propriétaire de ce modèle-là qui est très recherché, dont le surnom est... Et la Rolex Pepsi, si je la fais réviser chez Rolex et qu'elle arrive avec une garantie ou un certificat de révision Rolex, je peux espérer obtenir une meilleure cote? Alors, il est vrai que quand tu donnes une montre aux enchères, si tu as fait déjà une révision avant, ça va rassurer énormément les acheteurs. Maintenant, il faut faire attention à certaines choses. Il faut toujours essayer au maximum de préserver l'objet en l'état. Très souvent, les marques vont avoir tendance à dire « Attention, nous, on vous fait une révision, mais on va vous changer les aiguilles, on va vous changer le verre, on va vous changer toutes ces petites choses-là. » Donc, il ne faut pas. Il faut préciser. Il faut dire « C'est votre objet, c'est vous qui y tenez. » Je veux la garder dans son état. Ouais. Et ça, c'est vraiment primordial parce que ça peut dévaloriser l'objet. Donc, il faut vraiment essayer de les laisser le plus souvent, comme elle serait sortie dans les années 70 d'une boutique. Un ultime conseil qu'on oublie souvent, et je suis le premier pénalisé par ça, parce que quand j'ai commencé ma collection de montres, malheureusement, je n'étais pas au courant. Conserver la boîte, la carte de garantie et les papiers de la montre. Même si la garantie, c'est une montre qui a 40 ans, si vous avez la carte de garantie il y a 40 ans, la boîte originale et les papiers originels, ça augmente la cote. Il y a trois choses qui augmentent la cote. L'état, la provenance, si la montre a appartenu à quelqu'un de connu, tu en as parlé tout à l'heure, ça c'est important. Et bien évidemment, troisième point, savoir son écrin, ses papiers d'origine, ses garanties, s'il y a différentes garanties, et toutes les interventions. Quel ultime conseil on peut donner à nos amis, à part d'aller chez Antiquorum pour faire la vente aux enchères? Antiquorum, c'est très très bien. Ultime conseil, il y a quelque chose dont on parlait tout à l'heure, c'était les bracelets. Alors effectivement, un bracelet, c'est pas quelque chose qui va donner une cote supplémentaire à la montre. Dans la plupart des cas. Mais il y a quand même des cas où c'est important. Par exemple, sur la Rolex GMT qu'on a regardé, eh bien, il y a son bracelet d'origine qui correspond pile poil à l'année de la montre. Donc, c'est un plus d'avoir le bracelet d'époque. Si elle avait un bracelet qui avait été changé, ça dévaluerait peut-être de 10% la valeur de la montre. C'est pas non plus ce qui fait la cote, le bracelet. Mais
ça peut l'améliorer. Mais là, par exemple, on voit qu'il y a une chose qui est très vintage et très tendance en ce moment. Mm-hmm. Ce sont les bracelets un peu tissés de type NATO. Tissu type NATO. Hein, ouais, que l'on a sur cette Tudor. Là, c'est une Tudor type Marine Nationale avec, avec ce bleu Tudor, cette lunette bleue, ce cadran bleu, ces index et ces aiguilles qui sont snowflake. Snowflake, donc en forme de flocon de neige. Et effectivement, de la mettre sur un bracelet tissu. Beaucoup de ces montres-là n'étaient pas vendues sur bracelet acier parce qu'elles étaient fournies à la Marine Nationale. Donc, c'était des vraies montres de plongeurs. Enfin, ce serait même bizarre de mettre un bracelet acier Tudor dessus. Ça n'aurait pas de, ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens, voilà. Je rappelle que le bracelet NATO, c'est le bracelet qui veut dire OTAN. NATO étant le nom de l'OTAN en langue anglaise. Hein. Voilà, exactement. Bracelet militaire. Hein. Ce n'est pas le cas de celui-ci, mais c'est dans, les, dans cet esprit. C'est dans l'esprit. Hein. Ouais, exactement. C'est exactement dans l'esprit. Quels sont les codes de ces montres? Justement, ça, c'est une montre qui, il y a encore 10 ans, valait dans les 3000 euros. Aujourd'hui, la cote s'est multipliée par 7, 8, 9, 10. Ah, tant que ça pour une Marine Nationale, une montre pour une Tudor. Oui, alors, Tudor, qui est la deuxième marque de Rolex, c'est important d'en parler. Qui est un gage de qualité. Hein. C'est un gage. C'est exactement. Tudor était un petit peu l'ADN de Rolex. Hein. Toujours, il y a toujours un travail en parallèle entre Rolex et Tudor et c'est assez amusant de voir que M. Wilsdorf, le fondateur de Rolex, était assez passionné par sa deuxième marque qui était Tudor. Beaucoup de choses se sont passées grâce à Tudor et grâce à Rolex, inversement proportionnel. Donc voilà, ça c'est une montre qui, effectivement, on s'est rendu compte que il y en avait finalement assez peu en bon état, c'est-à-dire avec le cadran, les aiguilles, la lunette d'origine. Et quand ça rejoint tout ça, et bien effectivement, la cote a continué à continuer, continuer à monter. Et d'ailleurs, dans les nouvelles collections de Tudor, on retrouve les aiguilles Snowflake sur la Black Bay et sur l'ensemble des collections. L'ADN a été conservé. Ouais, voilà. Si on prend maintenant la Rolex GMT, c'est important également de voir qu'il y a une dizaine d'années, c'était une montre qui valait plutôt dans les 7-8 000. Et aujourd'hui, une belle GMT des années 70, quand elle est en très bel état, c'est entre 12 et 15. Donc ça a pris quand même de la valeur, mais ça a été moins exponentiel que pour certaines. Finissons par une anecdote amusante, c'est que le Daytona de Rolex, quand il est sorti, était une montre dont personne ne voulait. Et ça, qu'aujourd'hui, c'est une montre qu'on ne trouve plus, parce que tout le monde la veut. Voilà. Quelle est l'estimation de cette montre? Entre 100 et 150 000 sur les compteurs tropicaux et sur cette référence-là. Donc est vraiment sur la pièce la plus importante. Entre 100 et 150 000, et puis n'oubliez pas que quand elle est arrêtée, elle donne l'heure exacte deux fois par jour. À bientôt. À bientôt, Romain. À bientôt, avec plaisir. Thank you.